Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 2 ans maintenant, Vinsky avait lancé sur sa chaîne la création de sa propre carte fut. Et il y a 2 ans, j'étais pas encore sur YouTube, j'étais pas encore dans le game. Je me suis dit, pourquoi pas refaire ce concept-là. Pourquoi pas voir ma carte fut, ce que je vaux, ce que je vaux pas, les points faibles, les points forts. Mais c'est une carte fut d'un joueur lambda. Je suis pas un joueur pro, donc n'essayez surtout pas de comparer ma carte pro à ma carte pro. Ma carte fut avec un joueur pro. Est-ce que je vais avoir une carte fut cheatée? Est-ce que je vais avoir une carte claquée au sol? Je sais pas, bah on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Bon là on va commencer avec le premier caractéristique qui va être la vitesse, histoire de bien chauffer le moteur, histoire de pas se blesser par la suite. La vitesse, ça va être très simple. Je vais être à l'autre bout du terrain. Je vais sprinter jusqu'à ici. Et donc Coco, il va être au milieu du terrain. Il va chronométrer. Après, voilà, on va calculer avec une formule bizarre. Il va avoir un peu de maths. Attention, il va avoir beaucoup de maths. Voilà, une formule spéciale où je vais justement calculer le nombre de points qui va correspondre justement à la vitesse. Bref, c'est parti. 3, 2, 1. Premier essai, là il n'y a pas de deuxième essai, je sais pas quoi. Pour la vitesse, j'ai fait 13,92. Je sais pas si vous voyez à l'écran. 13,92, donc là je vais afficher une formule assez spéciale de maths pour convertir ça en nombre de points. Perfect. On va passer à la partie dribble, donc la caractéristique dribble. Là on va partir sur un premier test, ça va être des jongles simples. Pied droit, pied gauche, au total je dois faire 20 jongles. Et ça rapporte combien de points? Je sais pas, bref, je vais afficher combien de points ça rapporte. C'est parti. Là, on va passer au deuxième test. Le deuxième test, c'est simple. Ça va être la roulette de ciseaux. Troisième test, c'est la virgule. Là, on va attaquer le quatrième test, c'est Hocus Pocus. Un nom très bizarre, mais vous allez voir c'est quoi, c'est pas compliqué. En fait, il y avait un cinquième test, c'est le Neymar Touille, je sais pas quoi, bizarre. Je vais même pas tenter, je vais pas tenter parce que ça va me faire perdre du temps. Perfect. Bon, là, on va passer au deuxième test qui va être frappe et crossbar. Donc là on va commencer avec les frappes. Chaque but, ça va rapporter 15 points. Top but, ça rapporte 30 points. Simple, efficace, c'est parti. Ça recommence. Je
Oui! Oui, au feu là! Donc les crossbars, c'est simple. Chaque crossbar me rapporte un point. On va passer à la partie passe. Avec Vinsky, on est censé toucher le poteau. On a 10 passages, mais j'ai voulu un peu innover. Enfin, c'est pas moi qui ai voulu un peu innover. C'est la participation de Coco. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais me positionner à droite, je vais te lancer une balle et toi, tu vas être donc à l'entrée de la surface et tu devras toucher la balle en mouvement. Donc c'est un peu plus compliqué que les poteaux, on est d'accord. Et chaque toucher de balle, ça me rapporte 15 points. Maintenant, on va passer au pied gauche. Je vais avoir 5 passages et à chaque fois que je touche une balle, bah, ça me fait 15 points. Bon là maintenant on va partir sur la partie tête. Si j'arrive à faire une tête, ça me rapporte 4 points. Donc on va essayer de faire le maximum de têtes. Là j'ai fait 9 têtes au maximum. Donc ça me rapporte 9 x 4, ça me fait 80... Hein? 80 t'as dit. Ça fait 36. Donc ça me fait un 36 au total, 36 points. Donc là maintenant j'ai droit à un deuxième essai. Une tête, cette fois-ci ça me rapporte pas 4 points mais 1 point. Et j'ai droit de faire 10 têtes au maximum, pas plus. Bon là j'ai fait 3 têtes donc je rajoute 3 points en plus parmi les 36. Ça me fait au total 39. Bon là on va passer à la partie physique, ça va être très dur. Là je vais passer à aux tractions. Une traction ça me rapporte 3 points. Je vais vraiment essayer de faire le maximum. Ça glisse. J'ai fait combien 8 traction. Donc 8 x 3,
Je vous laisse faire le calcul. Maintenant, on va faire les pompes. Les pompes claquées. Chaque pompe, ça me rapporte un point. Je suis mort. Donc là, ça me fait 30. 30 ? 31. 31 points plus 24 plus 31, ça me fait 52. 52 points. Certainement. En plus, je filme dans une position très bizarre. On arrive à la fin de cette vidéo qui a été très longue. Enfin, longue pour nous, pas pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. En tout cas, désolé, j'ai pas publié. Ça fait 2 semaines que je publie pas de vidéo parce qu'il y a eu des retards et il y a eu des gens qui... Ouais, bref, c'est les aléas de la vie. On se dit à la prochaine. Ciao la famille.